On est à Barcelone, c'est ce que je viens de demander pour confirmation. C'est la rentrée des classes. J'ai deux poulains qui ont repris un peu plus tôt que prévu. Ils ont repris il y a une semaine déjà sur l'Estrellas, le High Roller d'Estrellas, la Barcelona Cup et j'en passe. On retrouve Damien Lomo presque deux mois jour pour jour après ce body prun au WSOP. En forme Damien ? Bah écoute, ouais super, bien dormi, en pleine forme pour un tournoi comme celui-là qui va être magnifique. Hein, donc vu le nombre d'inscriptions attendues, le lieu, enfin tout est là pour être en pleine forme, ouais. On t'avait quitté fatigué, content mais déçu, c'est assez paradoxal, mais c'est toujours comme ça quand on saute du Maine. Qu'est-ce que t'as fait sur ces deux mois ? Est-ce que t'as continué online ? T'as joué un petit peu en live ? Ouais, j'ai fait le FPS de Lille, où je fais un body prun, mais je buste peu de temps avant la bulle. Non, sinon des vacances, surtout après Vegas en général. Bon, déjà, Lille, c'était pas forcément prévu, je me demandais si j'allais jouer un peu. Bon, finalement, j'ai joué. Non, sinon, c'était vraiment repos. J'ai joué un peu online sur PMU, bien sûr, mais pas beaucoup. Donc là, clairement, c'est la rentrée aujourd'hui, ouais. Enfin, aujourd'hui, ici à Barcelone, plus exactement. Alors un autre, on sait ce qu'il a fait, parce qu'après, à part une semaine de vacances dans le sud-ouest, il a été à Chypre, il a été online, il a été à Rozadov, il est partout, Erwan Pêcheux. Ouais, j'étais pas à Rozadov, mais j'étais aussi à Lille. Et ouais, j'étais à Chypre, effectivement, pour une série de tournois. J'ai fait une semaine dans le sud de repos et une semaine à la maison aussi. Début du festival EPT Barcelone, moyen on va dire pour toi aussi là. Non, moyen, c'est quand on perd pas trop d'argent. Non, là, c'est j'ai pas fait un solitaire, en fait, donc pour l'instant, c'est pas bien. Mais bon. Plus de 450 joueurs hier, déjà 700 préinscrits aujourd'hui, on va battre leur corps, a priori. L'année dernière, ça s'était pas bien passé pour toi non plus, parce que tu avais fait juste un D1 en traversant le désert, si je me souviens bien. Motivé pour ce EPT Barcelone, première étape de la saison 12. Bah c'est le PT peut-être le plus important de l'année parce qu'il est en termes de field c'est le moins compliqué et là où il y a le plus de joueurs c'est là où il y a le plus de prize pool donc c'est je me dois d'être motivé. Ok, bah on va suivre ça tout au long de la journée avec Romain qui arrive et avec Brian aussi. Ça va être un petit peu difficile pour le coverage parce qu'ils sont dans trois salles différentes donc on va courir, ça va nous rappeler les WSOP. Messieurs, bonne chance, bonne journée et à plus tard sur le blog.